Bonjour à tous, nous sommes toujours concernés par un temps hivernal accompagné de soleil jusqu'en fin de week-end. À compter de lundi, quelques nuages reviendront perturber notre ciel vendéen. À noter que nous aurons également une semaine en dents de scie, c'est-à-dire un temps plutôt mitigé. Samedi, à l'inverse, cette journée est placée sous le signe du soleil. Le mercure reste bien frais avec un minimum de moins 1 degré du côté de Montaigu ou encore la Roche-sur-Yon. Comptez 2 degrés au château d'Olonne et jusqu'à 3 sur les îles ainsi que à l'Aiguillon. Dans l'après-midi, pas de changement. Côté ciel, le soleil domine largement sur l'ensemble du département. Concernant les températures, eh bien on attend une moyenne de 8 à 10 degrés, le maximum étant pour Montaigu ou encore Fontenay-le-Comte. On passe aux prévisions des trois prochains jours. Et bien dimanche, après le grand ciel bleu du matin, un voile de nuages revient dans le courant de l'après-midi. Le thermomètre affiche une moyenne de moins 1 à 9 degrés. Lundi, quelques gelées matinales résistent sous le soleil. S'ensuit un ciel plus couvert dans le courant de l'après-midi. Mercure, moins 1 degré minimum et 9 au plus chaud. Enfin mardi, le temps sans nuages. Quelques averses sont également possibles. Température minimale, moins 1 et comptez 9 pour les maximales. Retour au samedi. 4 mars, le soleil nous accompagne de 7h39 à 18h55. Les coefficients de marée sont de 52 et 58. La mer s'annonce basse à 9h16 et 21h26. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un excellent week-end. On se retrouve très vite sur TV Vendée pour le dernier point météo de la semaine.